Vaïssa Yaakov Ragla, Vaïler Arza, Benekedem, Vaillar, Veine, Beer, Basadé, là, comme je vous l'avais dit la dernière fois, la première rencontre de Yaakov dans ce cheminement est une rencontre, non pas avec un être, avec un personnage, mais d'abord avec un puits. Et nous l'avions dit, nous le répétons, le puits est significatif. Significatif dans le sens où sa signification est non seulement d'être le lieu où je vais pouvoir puiser, mais son signifiant est plutôt ce lieu de la rencontre entre le Créateur et la créature, tel que je l'avais expliqué la dernière fois. Et lorsqu'il voit le puits, il rencontre là-bas Shalosha Adaretson, c'est-à-dire trois troupeaux, c'est-à-dire trois bergers, c'est-à-dire, nous dit le Midrash, non pas des troupeaux, non pas des bergers, mais Eder en hébreu, c'est comme si nous parlions de ceux qui avaient disparu, de ces nations, de ces peuples, de ces personnages qui ont disparu sans savoir véritablement quel est le chemin à suivre. Ce n'est pas simplement disparu, c'est être en perdition. Shlosha Adare Tzon, c'est-à-dire ce sont des troupeaux humains qui sont dans une perdition totale. Yaakov arrive, rencontre à ce lieu de la rencontre entre le Créateur et la créature, eh bien, il rencontre ces personnages-là qui sont auprès du puits, parce qu'ils veulent essayer de retrouver la source première, la source originelle à laquelle s'abreuver. Car nous pouvons boire à toutes les cultures, à toutes les civilisations, il est vrai. Nous pouvons être instruits de ces eaux, de ces cultures. Et pourtant, nous ne sentons jamais notre soif repue. Mais lorsque nous sommes capables véritablement de rencontrer le puits qui est le nôtre, les eaux que nous puisons seront des eaux totalement différentes. Parce que lorsque nous boirons de ces eaux-là, nous sentons, nous ressentirons comment cette soif vient d'être repue. Comment non seulement nous sommes repus, mais comment nous sommes capables de voir ces eaux nous déborder. Et nous déborder à tel point que nous serons capables de donner à autrui, bien évidemment.